cette deuxième partie du 12e épisode de Koh-Lanta, La Légende, l'édition All-Star célébrant les 20 ans du jeu d'aventure de TF1, a été marquée par une épreuve d'immunité très disputée mais aussi par l'élimination au conseil des Alix. Ce n'est pas tout, face à Denis Brognard, deux colliers d'immunité ont été brandis juste avant le dépouillement des votes. La tricherie de Teyehura, privé de seconde chance sur l'île des bannis et directement envoyé à la résidence du jury final, est oublié. Ce mardi 23 novembre 2021, TF1 diffuse un nouvel épisode de Koh-Lanta, La Légende. Lors du jeu de confort éliminatoire, c'est Loïc qui est arrivé dernier et a été contraint de quitter le jeu. Le grand gagnant n'est autre que Claude. L'aventurier qui cumule désormais 21 victoires sur ses 4 participations à Koh-Lanta, 2010, 2012, 2020 et 2021, a la possibilité de partager son confort avec un aventurier, il choisit Laurent. Le duo se ressource en pleine nature. Ils ont le droit à un superbe soin pour cheveux à base d'avocat, miel et huile de monoï mais aussi du savon pour se laver dans la rivière et de quoi se brosser les dents. Après un superbe massage, ils dégustent un dîner royal. Enfin, au réveil, les voilà tout propres, avec des vêtements lavés qui sentent bon la lessive. Et c'est déjà l'heure de quitter ce paradis épreuve d'immunité. Claude et Laurent sont de retour, l'équipe d'aventuriers est au complet et l'épreuve d'immunité peut commencer. Ils s'agitent de la mythique équilibre sur l'eau. Leur mission est de partir du ponton le plus loin en mer et de passer toutes les étapes du parcours. Les jeux sont serrés. La finale se joue entre Laurent et Hugo. Et c'est finalement Hugo qui remporte l'immunité, à un dixième de seconde près. Une belle prouesse pour l'aventurier que Claude et Laurent avaient dans le viseur, conseil. Hugo est intouchable grâce au totem. Claude et Laurent ont des colliers d'immunité gagnés lors de leur virée en duo la semaine passée au cours de laquelle ils ont apporté les courriers et des denrées. Sam, Jade, Alix et Phil sont potentiellement en danger, chacun vote et Denis Brognard procède au dépouillement. Sam obtient une voix contre lui, Jade en a deux. Mais c'est Alix qui est éliminée, avec 5 voix contre elle. Avant de partir, elle cède son vote noir à Jade.